existe un pays tu loin, une race d'hommes au nom bizarre, mi-artisans, mi-paysans, qu'on appelle ici les nés noirs. Vous en comptez un peu l'histoire, c'est vous parler de ce pays, où pour mieux gagner son pain noir, on en vint à faire des fusils. Il y avait une affiche dans les ateliers où il y avait une échelle. Et il y avait marqué « Aujourd'hui, apprenti. Demain, compagnon. Après-demain, technicien et voire ingénieur. » Ça m'est toujours resté dans la tête. Et la manufacture, ils avaient 3 ans d'apprentissage, plus une année qu'ils faisaient dans les ateliers avec un compagnon. Il a toujours été dit que les gars qui sortaient de la formation de la manufacture savaient tout faire. Mon père était décédé 3 ans plus tôt et ma mère n'avait pas de ressources. À l'époque, on n'avait rien à dire. Les enfants faisaient ce que les parents disaient. Donc, il y a 15 ans, on passait le concours et on rentrait là-dedans. Et je suis rentré à la Manu à reculons, à 15 ans. Mon père qui se réjouissait que ben, ça faisait une bouche de moins à nourrir à la maison. La bonne idée de me faire comprendre que prolo il était et prolo je serai, quoi. Voilà. Ils ont ouvert l'école aux filles en 1976. J'en ai pas souffert, mais j'ai pas d'appel. Je me dis pas, ça me plaisait. Hein. Non, ça me plaisait pas. Hein. Ce qui me plaisait, c'était la vie autour. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça m'allait parce que la vie autour m'allait. La compétence qu'il y avait, une compétence extraordinaire, hein. Des gens avec un savoir-faire fabuleux, j'ai pas peur de le dire, fabuleux. Ah d'accord, vous êtes de la Manu, vous êtes ceux qui prennent une équerre pour planter un clou, pour mettre une cadre au mur. Ça fait vivre des milliers de familles, cette bâtiment. Pour raconter une colonie. J'en suis allé, ça fait 21 ans de carrière là-bas, j'ai dit qu'est-ce que... Je m'imaginais pas que le lundi j'allais me retrouver sur les bancs de l'école au CFA, quoi. Même encore, il y en a quelques-uns qui avaient été mutés, qui sont revenus, enfin tout ça, ils sont encore aigris. Mais c'était un lieu qu'on a écrasé et qui recélait L'histoire de combien de gens. Et on a tout chacun son histoire. Hein.